m'appelle Florent, j'ai 30 ans et je suis le cofondateur du journal Le Dranche. Alors Le Dranche, c'est un journal qui s'est basé sur un constat extrêmement simple qui était qu'on avait du mal à se forger une opinion. Le principe, il est simple, pour chaque question d'actualité, on va chercher deux personnes qui connaissent vraiment le sujet, une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre. Et le but, c'est que le lecteur puisse se forger sa propre opinion en lisant les arguments du pour et du contre. Alors, Pack Your Skills, le concept est simple, c'est des gens qui ont des compétences et qui souhaitent voyager et des projets à impact social qui manquent de compétences et qui peuvent accueillir. Et donc, le principe de Pack Your Skills, c'est de matcher les deux et de faire des belles rencontres. Bah, pour nous, c'était une super opportunité déjà de tester un nouveau concept. Et puis en plus, ça tombait au moment, à un moment où on avait besoin de faire évoluer notre maquette. Donc, on avait besoin d'une graphiste sur une période assez courte. Donc, pour nous, c'était absolument parfait, puisque on avait besoin d'une compétence pour une période assez courte pour faire évoluer quelque chose. Donc, ça tombait vraiment à pic. Alors, Anna, donc, qu'on a reçue pendant 2 semaines avec Le Dranche, c'est une graphiste tchèque de 23 ans qui fait ses études à Birmingham et qui est très très sympa. Pendant 15 jours, elle nous a aidé en fait à faire évoluer notre maquette papier, c'est-à-dire qu'on a un journal papier, Le Dranche, qu'on souhaitait faire évoluer pour qu'il soit un peu plus moderne, pour qu'il soit un peu plus compréhensible, un peu plus épuré. Et donc en fait, elle nous a aidé à faire évoluer cette maquette en nous apportant ses compétences. Son impact, l'impact d'Anna sur Le Dranche, il va être visible dans le numéro 4 qui va sortir fin avril, puisque la maquette aura beaucoup changé pour être quelque chose de beaucoup plus percutant. Et donc, ça prendra corps dans le numéro 4 lors de sa sortie papier. J'ai beaucoup aimé cette expérience, déjà parce que ça fait faire des rencontres et qui sont pour nous, on est très bien tombés, donc on a eu beaucoup de chance et on est très contents de ces rencontres-là. Et en plus de ça, ça nous aide à faire avancer plus vite notre projet, donc c'est un double avantage. Pack Your Skills, c'est il faut pas avoir peur d'accueillir parce que souvent ça fait sortir un peu de sa zone de confort. C'est pas quelque chose qui est tout le temps simple à faire, mais c'est vraiment des super expériences. Enfin, nous en tout cas, on a adoré et on est prêt à recommencer. Et si nous ça nous a été utile, pourquoi pas vous ?